Bonjour à tous, bienvenue sur Océan Sea Live, le podcast de l'eau. Aujourd'hui, il est question d'interviewer un photographe talentueux en la personne de Laurent Costa qui a la particularité de prendre des photos avec un microscope, ce qui nous donne des photos exceptionnelles qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Avant de retrouver Rodolphe et Laurent, en pleine interview, nous allons faire un petit tour sur la page Facebook Océan Sea Live pour y découvrir les dernières photos mises en ligne. Temps de retrouver Rodolphe Forget avec son invité du jour, Laurent Costa. Bonne émission. Bonjour Rodolphe, bonjour à vous tous. Merci pour d'accepter cette invitation. Alors, on va parler de ton travail, qui est un travail, on va dire, plus ou moins connu du grand public grâce à un artiste japonais qui s'appelle Masaru Emoto et qui depuis des années déjà fait un travail qui ressemble, c'est-à-dire qu'avec un microscope, il fait un travail, je dirais, de prise de conscience de ce que pourrait être l'eau. Mais donc Laurent, toi, on en parlera d'ailleurs, ce sera l'occasion d'en parler. Est-ce qu'il y a des différences et s'il y a des différences, et puis comment tu te situes par rapport à cet artiste japonais qui s'appelle Masaru Emoto? Tout d'abord, une première question toute simple. Depuis combien de temps tu travailles sur les cristaux de glace? Alors déjà, est-ce qu'on devrait dire cristaux de glace ou cristaux d'eau? Au début, c'est de l'eau que je prends au robinet dans les environs de ma région. Je Ouais. cristallise, c'est-à-dire je congèle au microscope. Donc, à un moment donné, c'est de la glace. Et au bout de quelques secondes en photographiant, ben, la glace fond et devient de l'eau. Ok. Alors, d'où tu viens finalement? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené à photographier? Alors, je crois que c'est depuis l'hiver 2000, Dernier. le dernier hiver, Oui. c'est-à-dire l'hiver 2011-2012. Oui, c'est ça. À l'époque, j'étais horloger, je travaillais en Suisse. Je suis revenu habiter chez moi dans le sud de la France. Et l'été 2011, j'ai trouvé un magazine, ça m'intéresse, avec de très très belles photos de prises au microscope de divers supports. C'était du vin, de la bière, de la vodka, etc. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour ces images-là. Puis un jour, en allant faire les courses, j'ai trouvé un microscope pas très cher dans un supermarché. Je l'ai acheté. Et puis, j'ai essayé avec le froid. À chaud, ça ne marchait pas trop. Donc, j'ai cristallisé en novembre-décembre. Puis, ça marchait de suite. Mais par contre, j'ai enlevé le verre colorimétrique pour pas influencer pour garder l'image brute. Donc, ça a marché, j'ai eu très bon résultat le premier jour. Et puis, je me suis pris au jeu. De temps en temps, le soir, je faisais quelques photos comme ça pour m'amuser. La qualité d'image est pas exceptionnelle. Ça ne vaut pas Masaru Emoto ni Kenneth Liebrecht. Mais je m'amuse comme ça à faire parler l'eau. Il n'y a aucun travail dessus. Voilà. Et surtout, toutes les eaux m'intéressent, elles sont toutes différentes. C'est mon approche que j'ai de l'eau, toutes les eaux m'intéressent. Voilà. D'ailleurs, ton inspiration est venue d'un travail sur des produits, donc comme tu as pu nous le dire là, mais qu'est-ce qui toi, pourquoi t'as pas continué finalement à travailler sur des produits autres que l'eau? Pourquoi tu t'es orienté vers l'eau finalement?
Ben, j'aime bien ce liquide. Je respecte énormément. Le monsieur qui faisait ses photos dans le magazine, ça m'intéresse, avait un très très bon microscope. Donc, je pouvais pas rivaliser. Donc, j'ai pris le plus simple possible, un microscope basique, et de l'eau du robinet. Et puis, l'aventure a débuté comme ça. Et je me maintiens à travailler toujours avec ce microscope, qui pour moi est magique. Et à continuer à regarder l'eau sous différents regards, le plus près possible, le plus loin, avec surtout beaucoup de détachement, en m'amusant. Voilà. Donc je vais insister sur le, je vais insister quand même sur pourquoi cette prise de conscience par rapport à l'eau. Donc t'avais, comme tu, est-ce que c'est le fait de ta proximité puisque c'est, t'es revenu dans la région, dans ta région, c'est-à-dire que tu es situé du côté de Narbonne. Ouais. Est-ce que, je sais pas moi, quand t'étais ado, quand t'étais plus jeune, tu, je sais pas, tu prenais du plaisir à aller au bord de mer ou, en fait moi ce qui m'intrigue c'est comment comment la succession de coïncidences qui t'a fait, alors que tu es en admiration sur un travail qui n'a rien à voir, même si bon, tout est composé d'eau, bien sûr, mais n'a rien à voir avec, avec l'eau, sans connaître d'ailleurs le travail de Masaru Emoto ou de Kenneth Liebrecht, qui est le moins connu, mais qui est effectivement une référence aussi dans le domaine. Est-ce que tu te souviens pourquoi, est-ce que déjà, premièrement, c'est très naturel que tu t'es dit, ben, je vais faire la même chose sur l'eau, ou est-ce qu'il y a eu un autre concours de circonstances qui a fait, tiens, je vais travailler sur l'eau? Je crois pas au hasard. Déjà, quand j'ai acheté cette revue, je partais à la plage, comme par hasard. J'étais au bord de l'eau, je dirais. Puis c'est cet amour pour cette matière. J'ai pas mal le vin. J'ai fait quelques photos sur le vin, par exemple. Apparemment, peu de gens ont vu mes dernières photos cet hiver où j'ai fait quelques photos sur le vin rouge, le vin blanc, le rosé. Les photos sont intéressantes, elles n'ont rien à voir avec l'eau, mais elles sont sympathiques. Il y a aussi quelques, je dirais, il y a quelques ressemblances quelque part. Bon, après, on peut peut-être mettre ça sur le dos que le vin est composé d'eau et que, Tout à fait, oui. que la plupart des choses sont composées d'eau. Okay. Bon, maintenant, on va passer. Et aujourd'hui, en fait, bon, alors donc, tu as mis tout ce travail-là, parce que finalement, tu as fait très vite quand même. C'est-à-dire que tu obtiens. Ou à la limite, on pourrait peut-être plus se dire. Quand tu as commencé à faire ce travail-là, parce que il faut savoir, je vais pas te demander évidemment je vais pas te demander de nous donner ta recette, mais pour être un peu plus dans le détail, tout en étant évasif sur ta technique, parce que ça tu la gardes bien évidemment. Comment t'es venu de pouvoir, est-ce que t'as fonctionné à tatillon, c'est-à-dire t'as cherché quelle serait la meilleure méthode pour arriver à un certain résultat? Ou est-ce que tu as essayé, tu as échoué, et puis après, petit à petit, jusqu'à temps que tu sois satisfait du résultat, tu as pu peaufiner ta technique, et à un moment donné, tu as trouvé la technique adéquate, et puis après par la suite, c'est là où tu as pu commencer à envisager d'exposer les photos. Comment ça s'est passé, en fait, le processus entre deux trouvailles par rapport à la technique qui te correspondait pour montrer ce que tu avais envie de montrer, ou en tout cas où tu as senti que c'était, voilà, tu étais arrivé à ce que tu voulais, parce que tu n'avais jamais touché un microscope avant. Non. Ma technique, en fait, c'est une succession d'accidents dont ces accidents m'ont servi à trouver cette technique. Mais j'ai toujours cherché, je cherche encore à aller À le de plus en peaufiner, plus oui. loin. Ce microscope me pousse dans ma technique, en fait, mais je pense être arrivé, je vais être très très loin dans cette technique. Je peux, je dirais, améliorer mes photos avec un microscope de meilleure qualité. Voilà. Mais la technique, je pense, je ne peux pas aller plus loin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton process pour arriver donc d'une toute petite goutte d'eau entre voilà, tu prends
On va partir du départ, c'est-à-dire que tu prends de l'eau liquide, Oui. d'accord? Quelle qu'elle soit, alors comme tu nous l'as dit, hein, tu prends n'importe quelle eau. C'est là où peut-être que enfin, tu me confirmes ou pas, c'est-à-dire que c'est là où ton travail va différer de celui de Masao Emoto qui joue sur les influences supposées de la pensée ou des mots, etc. Sur l'eau. On va pas commencer à rentrer dans ça, hein, mais voilà, c'est comme ça que ce travail se caractérise. Donc toi, visiblement, c'est plutôt moins t'as d'action par la pensée, etc. Donc entre cet échantillon que tu reçois ou que tu prends toi, est-ce que tu peux nous expliquer toutes les étapes jusqu'à ce que tu obtiennes la photo? D'accord. En restant évasif, évidemment, sur les choses dont tu Non, il veux n'y a pas rendre public, pas, hein. non, il y a rien, n'ai rien à cacher. Par contre, par rapport à Imoto, comme tu disais, on a quand même quelques liens communs. Par contre. Avant qu'on parle des liens communs avec Emoto, je voudrais que, juste pour le moment, de façon basique pour nos auditeurs, que tu nous ou nos internautes, je sais pas comment on appelle ceux qui écoutent des podcasts audiovisuels, au moins la base, c'est-à-dire comment fait Laurent Costa de la. On imagine, voilà, je t'envoie une goutte d'eau, enfin, ou je t'envoie un échantillon d'eau. Quelles sont les étapes du process? C'est de la très haute technologie. Donc, je prends une lamelle, voire une boîte de pétri, je mets une goutte d'eau et je congèle quelques heures. Ah, quelques heures suffisent. Oui, bien sûr. Ok. Donc, une fois que l'eau est cristallisée, je sors la lamelle, la boîte de pétri, peu importe, et je la dépose sur mon microscope. Et là, par contre, il faut aller très, 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 très vite. Parce qu'ici, on n'a pas des températures excessivement froides dans la région, même actuellement, c'est pas suffisant. Il fait malgré tout qu'il fasse froid. Il me faudrait vraiment des températures négatives que je n'ai pas eues encore. Donc cette année, j'ai pas fait beaucoup, beaucoup de photos. Et puis donc, j'ai à peu près 15-20 secondes pour faire une photo. Et la technique, il y en a qui font écouter de la musique, qui font de la méditation. On m'a demandé aussi. Je fais pas de méditation, ben, par contre, je pourrais essayer. Mais c'est surtout un relâchement complet, total, par rapport à l'eau. Je laisse s'exprimer l'eau, en fait. Je suis complètement relâché, détendu. Ça marche pas tous les jours, bien sûr. Mais le matin, j'ai un peu de mal, peut-être parce que je suis un peu endormi. À 10 heures, ça va un peu mieux. Puis le restant de la journée, c'est comme une séduction, je rentre, on essaye de communiquer, je dirais. Tout simplement, mais surtout en étant totalement relâché. Ça, c'est la base. Alors ensuite, donc tu nous as expliqué là concernant donc cet échantillon que tu vas prendre donc sur une lamelle que tu mets après dans le congélateur. Ensuite, tu le sors et tu as 15-20 secondes. Et de ces 15-20 secondes, comment grosso modo tu installes ton appareil photo? Tu travailles avec n'importe quel appareil photo parce qu'après c'est quand même la photo. Est-ce que c'est Parce que moi je connais pas, hein, je sais pas, il y a un microscope, c'est le microscope qui fait la photo, comment ça se passe en fait? Ben actuellement, aujourd'hui, j'ai deux microscopes. Donc, j'ai travaillé avec un microscope d'un magasin, oui, low cost. Bon, je peux pas dire qu'il soit très fiable cet appareil. Donc, j'en suis à mon quatrième aujourd'hui. Et celui-ci n'arrive plus à zoomer. Donc, aujourd'hui, j'ai un nouveau microscope. Donc, en fait, je fais des photos. Je déclenche sans fil par Wi-Fi, je dirais. Donc j'ai le déclencheur en fait dans la bouche et je dois manipuler mon microscope, j'ai besoin de mes deux mains. Donc quand j'ai une photo qui m'intéresse, hop, je mords le petit appareil dans la bouche pour gagner du temps, sinon je pourrais pas prendre de photo. Et excuse-moi, j'ai pas su. Et donc l'appareil photo, c'est quoi que tu as, que tu Ben, utilises? j'ai un appareil photo que je pose au-dessus du microscope. Donc les réglages sont faits au niveau de l'appareil photo. Parce que j'ai pas le temps de régler l'appareil photo, le microscope, c'est impossible. Donc les réglages sont déjà faits sur l'appareil photo. Par contre, il me faut trouver au niveau du microscope la partie intéressante à photographier. Donc je me consacre uniquement au microscope pour faire la photo. Et mon déclencheur, en fait, c'est une petite lamelle qui est reliée
par infrarouge à mon appareil photo et je déclenche, je la mets dans la bouche quand une photo m'intéresse, hop, je morse de petites lamelles. Voilà mon secret, entre guillemets. Eh ben, non, c'est de la gymnastique, Ah, c'est ce notre travail. technologie, ouais. Est-ce que tu t'es intéressé justement à savoir comment travaillait, j'imagine, parce que bah, quand on pratique quelque chose, généralement, on a envie de voir comment les autres s'y sont pris, tout simplement. Donc, en prenant les deux références du secteur, des références, soit parce que c'est des références publiques, des références scientifiques, en tout cas des références entre bah, Mazur et Moto, pour lequel on peut essayer aussi de voir qu'est-ce qui te différencie de cet artiste-là et de comment il s'appelle déjà donc Librecht. Liebrecht, lui qui a un regard un peu moins artistique et un peu plus scientifique, hein, c'est ça? Les deux en regard, je dirais, plus scientifique qu'artistique. Par contre, la différence entre les deux, Librecht fait des photos de flocons de neige D'accord. et Imoto uniquement d'eau. Donc la grosse différence est là. D'accord. Tu es déjà rentré en contact avec un des deux ou avec les deux tout simplement? Avec Librecht, on communique par mail. Ouais. Imoto, on m'a parlé de lui lors de ma première expo en juillet. Et je l'ai rencontré à Biarritz au mois de décembre. Et donc le contact s'est bien passé? Très bien, ouais. Ok. Quelle est la différence entre ton travail qu'on va découvrir hein, pour ceux qui nous regardent là maintenant, on va découvrir les quelques photos que Laurent nous a sélectionnées. Et comment on peut différencier donc le travail de Mazur et Moto et du tien par exemple, je prends Mazur et Moto parce que c'est le travail le plus connu. Lindbrecht, il est un peu moins connu du grand public. Et puis après, de faire une comparaison avec le travail sur. Même si peut-être, finalement, à y réfléchir, ça s'apparente un tout petit peu. Tu seras un peu entre les deux, quoi, finalement, parce qu'il y en a un qui travaille sur des flocons de neige, tu m'as dit. Ouais. Et il a la particularité, finalement, de ne pas travailler dans un. Comment on appelle ça Tu sais, là, pour rentrer, pour les. Parce que Emoto, je sais pas, un grand congélateur ou. Comment on appelle ça? Un laboratoire, un Oui, frigo? bah voilà. Donc, il y en a un qui travaille, il travaille pas dans un laboratoire, il travaille plutôt dans la nature. C'est ça? Oui, Librecht prend ses photos de la nature, mais après, il essaye de reproduire en laboratoire ce qu'il a trouvé. Ah, d'accord. Et alors que par exemple, Emoto, lui, travaille uniquement dans un laboratoire, évidemment réfrigéré à une température Ouais. qui permet de travailler. Mais bon, ça reste aussi. On est toujours dans cette. Quand on connaît le travail d'Emoto, ça reste toujours aussi la difficulté. C'est-à-dire que avant que la glace. Entre le moment où ils prennent la photo, il y a aussi un court moment où ils peuvent prendre la photo. Hein, ça reste toujours limité, même si le processus scientifique n'est pas le même d'ailleurs, hein, puisque je crois que. Ben, je pense déjà que dans un laboratoire, il peut régler la température. Donc, je pense, moi, au lieu d'avoir 15-20 secondes pour prendre la photo, peut-être que je ne connais pas sa méthode de travail, j'ai jamais vu, mais je pense qu'il doit avoir au moins 30 secondes à 1 minute pour prendre une photo. Ok. Quelles sont les grandes lignes de différence entre ton travail et le travail de ces deux hommes, par exemple. Comment tu peux, si tu devais présenter, comment ça serait quoi les grandes lignes? Ben déjà, Rodolphe, tu me compares à Imoto Librecht, j'en suis pas là, c'est un honneur pour moi que tu me parles d'eux. C'est quand même de grandes pointures, moi je débute, j'ai que 3 expos. Donc ma première en juillet à Gruissant, la deuxième à Narbonne, à la médiathèque, puis à Biarritz, une expo en Suède, enfin la prochaine à Carcassonne en février. J'ai pas beaucoup d'expérience, beaucoup de recul, je peux pas me permettre, je connais pas leurs travaux, j'ai jamais travaillé avec eux. Je serais bien intéressé de voir comment ils font, d'avoir un microscope
comme eux, pourquoi pas, malgré que je m'amuse avec mon microscope. Avoir un microscope à balayage, par exemple, juste comme ça, par curiosité, pour essayer de quoi je serais capable dans d'autres conditions, avec du froid surtout. Ça viendra peut-être, mais je peux pas me permettre de. Je connais pas franchement leur technique, comment ils font réellement. C'est dur pour moi, Imoto. J'ai entendu parler qu'en juillet, tout le monde me parle d'Imoto. Donc j'ai acheté des livres sur Imoto, je me suis renseigné sur Internet, comme j'ai fait pour Librest. Mais je suis un peu comme tout le monde, à part que je connais Imoto, on s'est vu deux fois. Ça s'arrête là, je peux pas me permettre de commenter Alors, en ses fait, travaux. c'est pas de commenter ses travaux, mais là, tu es en train de nous le dire, c'est-à-dire que tu as vu des photos, au moins quelques photos de son travail, tu as vu quelques photos du travail de Liebrecht, et là, voilà, entre ce que toi tu fais et ce que eux font, par exemple. On en avait déjà parlé lors d'un multiplex au Séance Live en présence de Marc-Henri, où par exemple Marc nous parlait. Marc-Henri, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, est un chimiste à l'Université de Strasbourg, hein, un de mes complices de la première heure au Séance Live, et lors de ce multiplex où il était question justement de la mémoire supposée de l'eau que les cristaux d'eau, généralement de Masaru Emoto, sont utilisés pour prouver que l'eau a une mémoire. Voilà, c'est pour rappeler un peu le contexte du podcast. Et à cette époque-là, donc c'était il y a quoi, 3-4 mois, Laurent, il avait parlé par exemple d'une différence notoire qui était que autant les cristaux de glace de Masaru Emoto ne connaissaient que des angles droits, et pour cause, puisqu'ils étaient, ils étaient reproduits dans des conditions non naturelles. Puisque dans un laboratoire, à l'inverse des tiens, où on y voyait des courbes, puisque toi tu travailles, il faut le rappeler, puisque tu ne nous l'as pas dit pendant la présentation, mais tu travailles dans ton garage, voilà, comme les fondateurs d'Apple, ils ont commencé dans leur garage. Bon, ben voilà, toi tu as commencé dans ton garage, peut-être que un de ces quatre, ça te fera évidemment rire de te dire qu'au début tu travailles dans un garage, mais ça a quand même une particularité, c'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure je te compare pas parce qu'effectivement tu es complètement débutant et voilà, mais ce que je veux dire c'est que tu as quand même réussi à obtenir des choses avec un microscope. Donc tu regardes à droite, tu regardes à gauche et là par exemple, une des premières choses sur laquelle on peut parler c'est que dans tes cristaux de glace, on y voit des courbes qu'on ne voit pas dans le travail de Masaru Emoto. Donc en fait, ma question c'est pas de te comparer à ces deux artistes. Mais c'est, est-ce que tu as pu voir, puisque tu es tout le temps focalisé là-dessus, hein, on a cette particularité que quand on est, c'est un peu comme si moi je regardais des gens qui font de la vidéo sur l'eau, puisque je rappelle quand même que je suis vidéaste et pas en dehors de mes activités de journaliste, comme là je suis en train de le faire. Et donc forcément, quand je regarde des gens filmer l'eau, je vois des choses que d'autres ne voient pas parce que c'est mon cœur de métier. Donc, et c'est ce qui rend mon regard pertinent. Donc, c'est pour ça que je me permettais de te poser cette question-là. Si tu y voyais des différences, des complémentarités, voilà. Mais après, si tu ne peux pas y répondre pour le moment, on passe à autre chose et c'est pas grave, hein. Ben, j'ai pas assez d'expérience, de recul, puis comme tu le dis toi-même, je suis dans mon garage, mon frigo descend, enfin mon congélateur descend qu'à moins 17 au mieux. Donc je cristallise, je dirais limite, je peux pas descendre plus. J'aimerais bien avoir meilleur, il me faudrait une chambre froide, un congélateur qui descende à moins 20 au moins. Donc des cristaux comme tu dis, j'en ai, c'est vraiment, il faut qu'il fasse très très froid, comme l'an dernier, au mois de février, début février, on a eu moins 9 pendant une semaine, c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats, comme par hasard. Ok. Enfin, pour terminer par rapport à ce sujet, c'était aussi important, par exemple, qu'il y ait des courbes dans ton travail, parce que par exemple, une de tes photos les plus connues, ça s'appelle le smiley, qui veut dire donc en français le sourire, et un sourire avec des angles droits, c'est un peu difficile de représenter un sourire. Donc tu vois, par exemple, là, ça, c'est une différence notoire entre ton process, entre tes conditions dans quoi toi
toi tu travailles qui peut faire la différence pour la différence, je dirais la différence, qu'est-ce qui te démarque comme ce que chaque artiste se démarque de par sa sensibilité, de par sa technique. Et là, par exemple, c'était là où je voulais en venir. Là, il y a le smiley, puis il y en a d'autres, hein, où bah, le cœur, hein, tout simplement. Là, le cœur, ouais. Hein, si tu travaillais dans un laboratoire, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas obtenir ce cœur, par exemple. Et c'est quand même, je crois que c'est même la photo que tu as choisie pour illustrer ton site internet, hein, dont je rappelle... je rappelle le lien, c'est www.waterphoto.eu. Voilà, on rappellera ça bien sûr après montage avec le générique. Vous verrez, c'est là on est dans pendant l'enregistrement. Enfin voilà, tu comprends ce que je veux dire, Laurent? Ouais, mais chez moi il y a une petite part de chance. Le smile a été fait 2-3 jours après que j'ai utilisé le microscope. Par contre, les cœurs, j'en ai quelques-uns, donc les cœurs, je dirais au niveau scientifique, j'arrive à les reproduire. Hein. Même si il y en a deux, je crois, sur le site internet, j'en ai plusieurs. Oui, mais c'est ce qui va caractériser ta technique et ton travail. C'est-à-dire que les courbes font partie de ton travail. Et les courbes, ben, à un moment donné, on fait des figures différentes que si on a une technique qui ne permet pas la courbe, comme celle de Masaru Emoto, par exemple. Eh ben écoute, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ton travail, on va commencer à regarder on va commencer à regarder tes photos, si tu veux bien. Je suis partage écran. Alors je rappelle pendant que Laurent se prépare à nous montrer ses photos que bah, vous assistez donc à ce qu'on appelle l'interview fleuve. Voilà, c'est une des déclinaisons de Océan Sea Live. Alors qu'est-ce qu'une interview fleuve? Eh bien, c'est tout simple. Désolé pour ceux qui vont trouver long le podcast, mais une interview fleuve, c'est une interview qui donne le temps à l'invité de pouvoir parler tranquillement voilà, de son lien, de son expérience ou de son travail pour un peu contrebalancer avec des podcasts qui vont être un peu plus rapides. En 5 minutes, c'est un peu difficile d'expliquer ce genre de choses-là. Voilà, ça, c'est l'interview fleuve, c'est voilà, un genre d'interview où on prend le temps de parler sur l'eau. Voilà, ça dure autour de au moins 1 heure jusqu'à 2 heures. Je me souviens qu'avec Jacques Collin, nous avions fait 2h20. Alors, là, tu me fais une superbe transition, là, c'est parfait. Voilà, cette fameuse photo où il y a le cœur, voilà. Alors, décris-la nous, comment tu l'as obtenue Je fais un peu de promo pour la prochaine expo qui est à Carcassonne, au Conseil Général, le 7 février. Donc, ouais. Je vous invite tous à venir, bien sûr, à 18h. Donc, cette eau a été obtenue avec l'eau d'un étang à côté de Narbonne, qui se situe à Gruissant. Donc, j'ai recentré le cœur pour le faire ressortir. Normalement, l'image est rectangle, bien sûr. Uh-huh. Et c'est une des rares eaux, je trouve, qui est naturellement, ce côté légèrement bleu turquoise. Et voilà. C'est la photo symbolique que tout le monde me parle. Est-ce qu'on peut revenir sur toi? Ouais, j'essaie. Alors, rappuie tout simplement sur partage d'écran. C'est très simple. Voilà. D'accord. Et pour la prochaine photo, tu fais la même chose, ça sera parfait. Et donc, cette photo, oui, elle est. Puis en plus, tu l'as choisie pour ton site internet. Je vais aussi rappeler quand même que tu vends les photos. Hein, on peut les regarder donc sur ton site et on peut les acheter aussi sur ton site, hein, c'est ça? Non. Je les vends pas actuellement. Ah bon, bah c'est donc. Alors tu les vends pas, mais tu les vends pendant tes expositions, hein. Oui, j'ai vendu à Biarritz et là, pareil, au Conseil Général comme à la médiathèque, je n'ai pas le droit de vendre. Donc pour le moment, je ne vends pas beaucoup. Ok. Alors, je rappelle que Laurent vend ses photos pour la bonne et simple raison, c'est que bah, c'est sa source de financement et c'est un peu comme quand je demandais des dons pour Océan Sea Live, les dons vont permettre de pérenniser le podcast et continuer à parler de l'info sur l'eau qui ne se fait nulle part ailleurs. Donc voilà, je pour ça que je parle de
la possibilité de pouvoir acheter des photos. Après, est-ce que les gens peuvent pas te faire une commande ou un truc comme ça via Internet en t'envoyant un email ou un truc comme ça? Non, pour le moment, c'est. Ben, pour le moment, pour le moment tu le mets en place peut-être, non? Ben là, je m'en occupe pas trop. Cet hiver, je me consacre uniquement à travailler. Donc, après février, on peut commencer à acheter des photos, c'est ça? Je m'en suis pas occupé encore. Je devrais vendre mes photos sur Internet. Mais là, je passe mon temps, les 2-3 mois de froid qu'on est dans le sud, je passe tout mon temps à photographier, en fait. Bon, bah, en tout cas, on a compris le message. C'est-à-dire que à partir de mars, là, tu vas te mettre à t'es un peu comme les agriculteurs, mais à l'inverse, hein, c'est toi ta période de culture, et de moisson, c'est l'hiver, hein. Et le reste du temps, c'est faire connaître ton travail et obtenir un peu d'argent de tout ça pour pouvoir continuer les hivers suivants. Alors on va revenir sur ce cœur. Déjà, est-ce que ça fait partie des photos phares, des photos qu'on te demande le plus ou quels sont les retours par rapport à cette photo? Est-ce que ça a un lien aussi avec une histoire que tu vivais dans le quotidien, quelque chose qui soit lié à une histoire, je sais pas moi, une histoire de cœur? Non, mais peut-être, sans rentrer sans rentrer dans ta vie privée plus que ça, hein, c'est tu nous dis ce que tu as envie de dire. Tout à fait dans ma vie privée, je pense. Ah, en plus. Ouais. Comme le smile, pareil, ça ressemble à quelqu'un de ma famille qui a une belle fossette sur sa joue à droite. Hein. Alors le smile, d'ailleurs, bah, on en parle depuis tout à l'heure, si tu peux le caler pour qu'on puisse le regarder aussi. Le smile. D'accord. Génial. Puis en plus, c'est drôle parce qu'on voit vraiment les deux yeux. Hein. Ouais. La photo, par contre, j'ai changé la couleur. Normalement, elle était verte d'origine. Ah, ok. Et donc, je me suis aperçu, ma première expo, les gens disaient « Oh, l'eau est bleue, elle n'est pas verte. » Donc, à part certaines eaux, je dirais, l'eau de l'étang à Gruessant est bleue, naturellement. Et celle-ci, donc, du vert, je l'ai faite passer en bleu. Pour que les gens se sentent un peu mieux par rapport à mes photos. Ok. Alors, reviens avec nous, là. Donc, ça, c'est... en fait, à quoi ça me fait penser, là, ce que tu es en train de dire, c'est un peu comme... pour certains produits de consommation, les industriels agroalimentaires, par exemple, parfois vont changer la couleur de leur produit, parce que les gens, dans leur imaginaire, il est le produit en question est de telle couleur, et donc il faut qu'on le remette de cette couleur-là. C'est un peu ce dont à quoi tu as été amené à faire pour des cristaux, parce qu'effectivement, le lot est, dans notre imaginaire est bleu. Ouais. Mais c'est vrai que l'eau de l'étang, enfin, je n'ai pas beaucoup fait de photos l'hiver dernier, mais je me suis aperçu que l'eau de cet étang est bleue, parfaitement bleue. Ah oui. Le cœur parfaitement bleu, alors que le smile c'est fait avec de l'eau du robinet. Ah d'accord. Et donc je travaille en aveugle, c'est-à-dire je note sur un cahier la provenance de l'eau. Ouais. Sur un plateau devant mes lamelles, je numérote. Comme ça, je ne sais pas du tout, je peux pas influencer, je dirais, qu'est-ce que je vais avoir. Je laisse parler l'eau. Simplement. Alors, je vais te poser une question, Tatillonne, puisque je t'entends depuis tout à l'heure dire que tu laisses parler l'eau. Comment peux-tu être sûr que c'est l'eau qui parle? Très bonne question. Joker. Voilà. Alors, reste comme ça, ne touche plus à rien. Donc, vas-y, explique-nous le contexte de cette photo. Donc, ça, c'est toujours une photo de l'année dernière, hein, c'est ça? Oui. Voilà, donc de l'hiver dernier. Donc, cette photo, pareil, j'ai changé l'original, qui était un léger vert, qui est passé au bleu. Donc, ce que je me rends compte quand je prends certaines photos, j'ai une partie, entre guillemets, nette, c'est-à-dire l'avant du cristal, l'intérieur, mais la pointe est floue. Ok. Donc, j'ai pris cette photo, j'ai eu la chance de la prendre 11 fois. Donc, aujourd'hui, avec un logiciel, j'ai pu la retravailler.
Et donc elle est plus nette, je dirais entre guillemets, mais moi je l'aime bien comme ça en fait, avec une partie floue. J'aime bien ce procédé de flou. Ok. Ben après c'est le, oui c'est ça, c'est de la subjectivité. Après c'est si tu sens que c'est plus fidèle à ce que tu voulais faire représenter. C'est plus naturel, sinon on peut avec un logiciel, un focus stacking, ça copie les photos les unes sur les autres, et là la photo est parfaite, hein. C'est-à-dire la pointe par exemple est nette. Hein. Ouais, exact, exact. Mais donc pour le moment, moi elles me plaisent bien, elles sont naturelles comme ça, traitées sur ordinateur, c'est pas comme ça en réalité, donc je préfère les garder comme ça. Ah, pour Alors. enchanter ça? Oui, il y a trois branches. Le temps de cadrer, de zoomer la photo vite fait. J'ai appuyé sur le bouton, sur le déclencheur. C'était avec mon vieux microscope. Et le temps d'appuyer, les deux branches sont désolidarisées. Elles sont sorties, ça a fondu en fait. Ah, d'accord. Très très vite. Et ça va, je pense, c'est pas un millième de seconde, c'est la vitesse de la lumière. Je me suis même pas aperçu le temps d'appuyer sur le bouton. Ok. Donc. Est-ce que parfois il n'y a pas quand même des frustrations pour toi de tu voyais quelque chose de fantastique et puis bah, t'as pas eu le temps et puis bon bah, voilà c'est. Ben, je m'attendais pas à ce résultat-là. Pour moi, il y avait cinq branches. Je m'en suis aperçu uniquement quand j'ai transféré le fichier de mon microscope sur l'ordinateur. Je me suis dit, c'est quoi ça? Donc, sur le coup, j'étais pas content parce que j'avais entre guillemets raté la photo, mais c'est pour expliquer le travail. Pour moi, elle était pas mal. Elle était de biais. C'est pas à plat. Ce que je recherche surtout, c'est d'avoir du relief. Et puis, je me suis rendu compte que ça allait à une vitesse extraordinaire. Le but du jeu, c'est de montrer, voilà, d'expliquer, ça réagit, c'est extraordinaire. Est-ce que tu les nommes? Est-ce que tu on peut revenir sur toi? Donc appuie sur partager l'écran. Oui. Voilà. Laisse l'autre fenêtre ouverte, hein. Est-ce que tu les nommes tes photos ou il y en a certaines que tu ne nommes pas? Personnellement, j'aime pas mettre un chiffre sur mes photos. Il me faudrait les nommer, mais je reconnais, j'ai beaucoup de mal. J'en ai beaucoup de photos. Et déjà sur Internet, elles sont pas nommées, mais je sais que je devrais faire m'y attacher. Alors, c'est un peu comme des petits bébés, je dirais. Il faut leur donner un prénom, quelque chose. Les Ah, pour. expliquer chaque photo. C'est passionnant, c'est intéressant, mais j'ai beaucoup d'étoiles, donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de mettre des photos d'étoiles parce que je sais pas quoi mettre, star, étoiles célestes, galactiques, on sait plus quoi mettre comme nom d'étoile. Eh ben, tu fais étoile 1, étoile 2, étoile 3, étoile 4. Ouais, c'est les chiffres, non, sans plus, Collection, mais collection étoile. ouais. D'accord. Donc, c'est tu est-ce que c'est une difficulté pour toi est-ce que finalement c'est plutôt une difficulté comme ça de pouvoir les nommer, ou est-ce que c'est plutôt que tu t'es un peu pris par le temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as tellement de photos, finalement tu fais un peu, tu manques un peu d'imagination ou tu te connectes pas assez à tes photos pour leur donner quelque chose, ou pour le moment tu n'es pas trop dans cet esprit-là tu sais que tu dois le faire, mais bon, ton esprit Ben va qu'à d'autres préoccupations. pour moi, le plus dur, c'est de les sélectionner. Pourquoi cette photo et pas l'autre? Pour moi, c'est vraiment un choix très très dur à prendre. Mais dans un sens, c'est pas mal, comme j'ai en stock énormément de photos. Mais pour le moment, ma collection, je dirais, de photos reste identique. J'en garde encore beaucoup. J'ose pas passer le cap de montrer l'ensemble de mes photos. C'est prévu, mais je suis pas prêt. Est-ce que tu veux bien nous le dire grosso modo pourquoi, ou c'est parce que tout simplement tu n'es vraiment pas prêt, ou je sais pas, t'as des réticences, ou tu aimes bien garder un petit peu pour toi, et puis parce que c'est voilà, c'est une histoire intime entre toi et l'eau. Je me suis rendu compte cet été, j'avais pas touché de microscope depuis le mois de février, donc ça commence à me manquer énormément.
Et je me suis quand même une fois posé la question, est-ce que je vais arriver une nouvelle fois à avoir de tels résultats? Est-ce que c'est dû à la chance, le débutant? J'ai eu la chance en novembre de faire quelques photos, surtout en décembre. Là, cette année, j'ai que 5-6 jours de photos, c'est pas beaucoup. Ça marche à nouveau, je suis content. Et pour moi, c'est le principal. J'ai pas envie de. Je suis pas prêt. Si on me dit oui, c'est un coup de chance, je veux bien certaines photos, mais je peux reproduire les cœurs. J'en ai 7 aujourd'hui. Si on me demande de montrer mes 7 cœurs, après on va me dire ben, fais-en encore 10 de plus. Ça marche pas comme ça. Je suis pas. C'est pas une collection. Une photo ne se fait pas comme ça. Donc je ne joue pas avec ça. Je sais la chance que j'ai. Je suis un débutant. J'ai pas assez d'expérience pour mettre d'un coup, montrer toutes mes photos. Est-ce que je le ferai? Peut-être, un de ces 4 matins, ça peut me prendre. Je montrerai peut-être l'intégralité des photos les plus intéressantes, mais aujourd'hui, ça se trouve, demain, je toucherai plus un microscope, je passerai à autre chose. Mais pour le moment, c'est pas le bon moment. Ok, c'est ce que tu sens, c'est que c'est pas le bon moment. Est-ce que par exemple aussi, t'as pas en tête ou on t'a pas déjà proposé de faire de faire un livre, tout simplement? Si, on m'a proposé, oui, non, j'ai pas le temps, c'est trop tôt, je débute, donc plus tard, ouais. C'est quelque chose, oui, qui fait partie de Bah, nouveaux projets dans lesquels tu peux participer, là. on m'a proposé biographie, niveau scientifique, livre pour enfants, des mandala, pardon. Donc, bien sûr, on me fait des propositions très intéressantes, mais je ne suis pas écrivain, je préfère me consacrer à ce que j'aime, ce que je sais faire, entre guillemets. Donc, pour le moment, je reste à mon niveau, prendre des photos. J'aimerais bien exposer, voyager, mais je pense que pour un débutant comme moi, ça va assez vite, hein. J'essaie de me paramétrer par rapport aux artistes de ma région. Donc, il y en a qui sont ultra médiatisés. Il y en a qui ont énormément de valeur. Ils n'exposent pas, ils n'ont pas cette chance-là. Ils sont pas médiatisés du tout, du tout. Bon, c'est partout pareil. Moi, j'estime avoir énormément de chance en l'espace de 6 mois. Voilà, je profite à fond de cela. Je veux que ça continue. À mon rythme. Donc c'est vrai, je fais l'impasse, j'ai certaines propositions. Pour le moment, je dis pas oui, je dis pas non. Il faut que je reste concentré sur mon travail et on verra ça plus tard, d'ici quelques mois. On va continuer sur d'autres photos significatives de ton travail, si tu veux bien. Voilà, donc tu ne touches à rien. Explique-nous le contexte et puis ensuite reviens. Comme ça, moi je l'ai vu. Et puis ensuite reviens sur toi après. D'accord. Donc là, c'est une photo d'étoile parce que pour moi, comme je vous ai dit, c'est la facilité, les étoiles, ce qu'on voit le plus souvent, dans l'eau quand on cristallise. C'est un peu comme un balai, je m'amuse. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je veux pas faire passer le message que dans l'eau, il y a que des étoiles. C'est faux, donc j'en mets très, très peu. Et puis j'aime bien, comme elles sont prises un peu de travers, elles sont pas de face. Donc les étoiles prises de face, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je m'amuse à les voir sous des angles différents. Donc mon microscope me donne cette chance de voir des étoiles plus ou moins entières, avec les différents degrés. C'est ce qui me j'aime dans ces photos. Alors, celle-là, il n'y a pas de. Donc, tu appuies sur partager l'écran, hein, Laurent. Ouais. Donc, celle-là non plus, il n'y a pas de. Comme on a pu le comprendre, il n'y a pas de nom, hein. C'est ça. Hein. Non, d'accord, ok. J'en ai des comme ça, j'en ai des centaines, donc Oui, d'accord. je sais pas quoi dire. D'accord, ok. Alors, une autre, s'il te plaît? Qui soient pas des étoiles, hein, justement. Alors, même process, hein, partager l'écran dès que tu as sélectionné ta photo.
Ouais, génial. Eh ben, elle est superbe celle-là, dis donc. Celle-ci, j'en ai eu trois au total. Ok. J'ai sélectionné celle-ci parce que c'est vraiment la plus grosse. Je peux la faire pivoter peut-être, on peut la voir sous différents angles, Ah comme oui, on veut. vas-y, hein. Ouais. Ah ouais, très bien. Ah ouais, très intéressant, ouais. Cette image est très rare. Enfin, pour moi, je n'ai vu que ce style de photo trois fois. Et celle-ci, je l'ai prise. J'ai eu la chance de la prendre entière parce que j'en vois, mais elles sont fondues, donc ça compte pas. Et celle-ci, ce cristal est vraiment très très gros. C'est rare, hein. C'est surtout au niveau de la structure même de la forme, c'est assez extraordinaire quand même. Ouais. C'est magnifique ce qu'on peut voir dans l'eau. Ouais. Hop. Et donc ça, voilà, putain, là tu deviens un expert là, bravo. Et là, finalement, en plus ton travail. Comme on a pu le voir en présentation au tout début de ce podcast, c'est qu'en plus, tu précises pas du tout. On imagine que tu fasses une photo, enfin, que tu fasses un livre, voire une exposition. Quel élément tu mets finalement sur la photo, comme celle-ci, par exemple? Là où ce que je veux dire, c'est que, en reprenant, pour que tu comprennes ce que je veux dire, c'est Emoto, par exemple, lui va mettre, ben voilà. Ce cristal, a été obtenu en mettant, en disant le mot amour ou le mot, peu importe le mot, voilà, il va à chaque fois prendre ces références-là ou il va prendre, c'est de l'eau de tel endroit ou de tel endroit ou de tel endroit. Et toi, finalement, puisqu'en plus tu n'y mets pas, parce que tu as déjà fait des expositions, j'imagine que tu exposes des photos à laquelle tu donnes pas de nom. Alors finalement, c'est quoi le Est-ce que tu est-ce qu'il y a quelle identité tu mets à ces photos-là? Ben, c'est un peu l'inverse. Je préfère que les gens imaginent, chacun s'imagine quelque chose à travers les photos. C'est pour ça, c'est très dur de mettre un nom dessus. Quelqu'un va voir un petit robot sur la dernière image, l'autre un vaisseau spatial. Je préfère que laisser parler l'imaginaire de chacun, en fait. Et par contre, alors pour aller encore plus précis dans ma question, c'est-à-dire que on va à une expo de Laurent Costa, et puis comment les gens, s'ils veulent acheter cette photo, alors qu'il n'y a pas de nom, on ne sait pas d'où elle vient, etc., etc., on sait juste que c'est toi qui l'as. Est-ce qu'il y a une référence quand même? Il y a quelque chose que tu vas mettre, tu vois, c'est pas la photo à droite ou à gauche ou je veux celle-ci ou tu mets bien quelque chose, un intitulé. À part le smiley, à part le cœur qui sont tes photos, qui font partie de tes photos phares, mais pour les autres, comment tu arrives à les localiser finalement? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Ben pour le moment, je mets pas de nom. J'arrive pas à accrocher, mettre nom. Je préfère, je te dis, laisser l'imagination des gens s'exprimer. Sinon, aussi, je peux mettre le prix sur une table, oui. Donc en gros, c'est la personne te montre du doigt la photo qu'elle veut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas en fonction. Tu donnes aucune identité. Ça veut dire que l'eau, ça peut être autant l'eau du robinet. Ça veut dire que finalement c'est même pas toi qui mets. C'est par le pour le moment le ton style. Hein, c'est on Ton style fait qu'on peut s'extasier, ce qui est quand même assez extraordinaire, sur une photo prise de l'eau du robinet, comme de l'eau d'un étang crasseux, ou de l'eau d'une superbe eau, très pure, ou en tout cas très propre. Alors, c'est quand même assez extraordinaire parce que est-ce que toi, alors moi je te pose cette question-là en imaginant la réponse, puisque. C'est un peu comme moi quand je travaille sur l'eau. Je sais d'où viennent ces images et bizarrement, je n'oublie, mais pas du tout où est-ce que les images ont été prises. En tout cas, pour certains films, il y en a d'autres. J'ai un peu de mal, mais est-ce que quelque part, toutes les photos que tu as prises, puisque tu as pris de différentes sources, hein, d'eau,
Est-ce que tu te souviens, par exemple, où a été fait le smiley Le smiley a été fait avec l'eau du robinet. Non, alors en fait, c'est pas pour que tu répondes où est-ce que telle photo a été prise, mais est-ce que tu gardes un souvenir de toutes les photos que tu as pu prendre? Ouais. Là, c'est un mauvais exemple, le smiley, parce que c'est une photo qui est une photo référence dans ton, si on peut appeler ton catalogue ou ton, je sais pas, dans ton book. Voilà, on dit Oui. ça pour les photographes. Mais est-ce que finalement, tu es amené à te souvenir, parce que je sais pas, on n'a même pas parlé par rapport au nombre de photos que tu peux prendre. Ça s'est chiffré à combien l'hiver dernier et actuellement, tu en es à peu près combien? Ou alors, plutôt autrement, c'est-à-dire que, un peu comme un vidéaste, c'est-à-dire que tu as des rushs, hein, c'est-à-dire que tu as un nombre incalculable. Par exemple, moi, pour faire un film, j'ai dû avoir 20 heures de 20 heures de vidéo où il n'y a que de l'eau, et puis bah, sur ces 20 heures, j'en ai pris que 30 minutes. Voilà. Est-ce que toi, finalement, tu ne travailles pas de la même manière? C'est-à-dire que tu obtiens un nombre assez incalculable de photos, comme tu as pu nous le dire par rapport aux étoiles, et puis bah, il y en a certaines. Soit tu sens direct que tu ne vas pas les exploiter, que tu n'as pas envie de les mettre public, que ça ne te convient pas, ou à la limite, à combien tu estimes de photos dans l'hiver dernier, puisque l'hiver dernier, la campagne est finie, enfin, je veux dire, la campagne de la moisson est finie, combien tu as obtenu de photos en tout que tu juges exploitables, enfin, ou en tout cas, où tu peux les exposer publiquement? C'est la qualité qui prime, pas la quantité. Cette année, j'ai que 5-6 jours de photos et j'ai les mêmes résultats que l'an dernier. Ah. Bien sûr, l'an dernier, j'ai fait beaucoup plus de. J'ai commencé en novembre pour finir début mars. Mais cette année, je prends beaucoup moins de photos. Je prends moins le temps. Il fait pas. J'ai pas aussi. Il fait pas aussi froid. Bon, Donc, j'ai quelle idée, beaucoup de photos. quelle idée de rester à Narbonne aussi, hein? Ouais. Non, mais je suis très bien. Je te dis même les photos que j'ai pu prendre l'an dernier. Je pense, je sais pas quoi en faire en fait. J'ose pas les exposer parce que si je mets tout d'un coup, il faut assumer. Par contre, c'est vrai, je suis un peu feignant. Je pourrais mettre en expo la provenance sur Internet et la provenance de l'eau, ce qui pourrait vraiment. C'est très intéressant, comme tu dis, là, Oui, mais entre l'eau du robinet, l'eau de mer, l'eau de la rivière, l'eau de source, etc., l'eau du canal, on peut tirer. Les gens, me croient, je suis sûr, seraient vraiment surpris de telle image vient de telle eau. C'est un peu le but du jeu, mais j'ose pas le faire parce que je crois qu'ils vont avoir peur. Enfin, tout est relatif. Le smile, quand. Bon, dire que c'est l'eau du robinet, ben oui, c'est l'eau du robinet, donc voilà, c'est quand même bien de pouvoir boire de l'eau du robinet qui vous fait un sourire. Bon après, il y a une chose aussi que tu nous as confiée, que ce soit dans les précédents échanges, c'est que ou même là, c'est que quand même il y a aussi toi qui intervient dans le process, hein, et le smiley comme le cœur ou d'autres photos où on a pu voir que malgré toi, tu as influencé aussi cette eau-là. Donc quelque part, est-ce qu'on peut pas considérer que et comme on peut être tenté de le croire, mais bon, après, on ne peut pas prouver ça de façon catégorique, hein. C'est peut-être aussi ce qui en fait la magie. C'est-à-dire que une eau même pas très très bonne avec, dans sa composition, dans notre manière de la boire, va faire que bon, bah, ça va être un peu plus comestible, ou je ne sais comment le dire. Enfin, en tout cas, beaucoup moins dommageable, hein, d'une certaine manière. Mais pour continuer par rapport à ça, c'est-à-dire que si là, par exemple, on faisait une exposition qu'avec les photos de Laurent Costa, on aurait une exposition de combien de photos aujourd'hui? Voilà, posé autrement. Prête à exposer? Prête, oui, là, si on devait exposer, combien il y aurait quoi? 100 photos, 200 photos?
En stock, dans des cadres, j'en ai, je sais pas compter, une cinquantaine. En petit format, 21 par 50, j'en ai beaucoup. Je sais pas compter. Ah, t'as pas compté. Non. D'accord. D'accord. Mais on peut imaginer entre 100 et 150 photos, déjà. Ouais. Bon, intéressant. Mais est-ce que c'est 100, 150 photos où il n'y a pas toujours la même représentation? C'est-à-dire, par exemple, on va mettre dans la catégorie étoile, visiblement, tu as beaucoup de photos étoiles. Ouais, Où, toutes séparées, est-ce que oui. tu as fait la différence entre justement les différentes formes? C'est-à-dire, ouais. J'essaie de faire des dossiers séparés suivant la provenance de l'eau. Donc j'ai des dossiers, je dirais, étang, rivière, eau du robinet. Ah, tu les classes de cette manière-là. J'essaie, et puis après je les reclasse, étoile, cristal, trame, genèse, etc. J'essaie de me... Enfin, en tout cas, sur le site internet, c'est sûr, c'est je n'ai mis entre guillemets les plus belles photos dans le bandeau en bas, et puis dans les galeries, c'est ce qui représente le plus mon travail, qui ne veut pas dire les plus belles photos. Comme je t'ai dit, je garde beaucoup de mes meilleures photos. En fait, je les montre pas pour le moment. Ok, il y a une raison précise que. Ben, je pense, si je mettais toutes mes photos, Alors attends, parce que là tu sors du cadre, là, t'avances pas trop, Ouais, ouais. pardon. Si je mets toutes mes photos du jour au lendemain, si j'expose ou j'expose pas, ben après on va me demander, fais-moi pareil. Ça marche pas comme ça quand même. Des cœurs, j'ai la chance de pouvoir les reproduire. J'en suis à 7 aujourd'hui, mais voilà. Donc scientifiquement, oui, c'est reproductible, presque identique. Hein. J'en ai deux qui se ressemblent vraiment très très fort, et alors que les autres n'ont rien, absolument rien à voir. Mais si on me dit, voilà, je vous prends 7 cœurs, faites-moi-en 2, 3 autres. Donc, pour moi, je ne sais pas si j'en suis capable. Mais c'est déjà pas mal d'en avoir fait 7. Et ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je préfère la surprise, de donner la surprise aux gens, de ne pas tout dévoiler d'un seul coup. On fait une expo, peut-être je mettrai mes nouvelles photos tous les 2, 3 ans. Je n'en sais rien aujourd'hui, mais en tout cas, je ne vais pas mettre mes meilleures photos dans le même panier, la première année. C'est pour ça, je sais pas dans combien de temps je mettrai je dirais mes nouvelles photos, les plus belles photos. Pour le moment, ça me va très bien comme ça. Et est-ce que je les publierai un jour, je sais pas. Ça dépendra du contexte dans lequel tu es par rapport à Voilà, ça. Voilà. tout à fait. Ça peut se faire dans 3 jours, dans 6 mois, dans 10 ans. Aujourd'hui, je me pose pas cette question. Je suis pas là. Ok. Mon but, c'est de continuer à m'amuser à photographier. Ces photos qu'on peut retrouver sur le site de Laurent, waterphoto.eu. Est-ce que il y a pendant que tu es en train de te caler sur une photo là, avant qu'on arrive sur une autre photo, est-ce que tu peux nous partager avec nous alors attends, on va. Ok, est-ce que tu peux revenir sur partager l'écran? Tu la laisses comme ça, hein? Ouais. Reviens sur partager l'écran. Je voudrais juste te poser une question. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote bizarre? C'est-à-dire que moi, ce que je suis étonné, c'est par rapport à ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il y avait des gens. Alors, si tu dis ce genre de choses-là, ça paraîtrait qu'il y ait des gens qui te fassent des demandes, ce que je suis un peu étonné, comme si tu pouvais avoir une action sur l'eau. Puisque depuis tout à l'heure, tu nous dis oui, j'ose pas faire ou exposer ou montrer trop de cœur parce que. Et puis parce que tu as un discours en plus qui dit que scientifiquement tu peux le reproduire, puisqu'il faut rappeler quand même que pour prouver scientifiquement quelque chose, il y a deux conditions, que ça soit prévisible et reproductible. Voilà, donc d'où le commentaire de Laurent. Mais moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est justement cette approche de savoir qu'on peut. Alors, genre, par exemple, tu veux avoir un cœur et donc l'eau va te fournir un cœur. C'est quand même pas comme ça que ça se passe. Puisque souvent, en plus, tu nous dis, j'ai eu de la chance ou ça y est, un cadeau. Donc, ça montre aussi que t'espères avoir un cœur, mais c'est Non, pas dit que tu l'aies, tu l'as pas à la demande. je demande pas un cœur. Pour comment il apparaît là, je n'en sais rien.
Justement, Oui, je me on est d'accord. demanderais. Ça se reproduit, mais c'est pas. Alors, à C'est la le limite, hasard. voilà. Donc, c'est là où ça peut pas être prouvé scientifiquement, parce que pour que ça soit prouvé scientifiquement, en plus de la reproductivité, donc ça, il n'y a pas de souci, tu peux reproduire, mais il manque le deuxième élément, et heureusement d'ailleurs, qui est qu'il soit prédictible. C'est-à-dire que dès qu'on que n'importe qui, avec ton process de mise en application des photos, on puisse à la demande obtenir un cœur. Et Non, bah... heureusement, tu nous dis que non, hein, parce que sinon là, y aurait tous les gens qui sont déjà dans le Graal avec Masure Emoto en le montant Non, mais ce cas de marrant, pourquoi j'ai des images de cœur qui apparaissent de temps en temps? Oui, mais parce que moi, ce que je trouve assez présomptueux de la part de certains êtres humains, c'est quand même de nous faire croire par de différentes manières, et en l'occurrence parfois par le travail de certains artistes, hein, comme Masure Emoto, que nous avons une action sur l'eau, mais ça fait partie d'un Graal qui date depuis très longtemps. Je me souviens qu'on en avait un peu parlé lors du multiplex, justement, où il était question des cristaux de glace et de la mémoire de l'eau. Marc-Henri nous expliquait justement ce Graal que l'être humain, je dirais, essaye d'atteindre depuis presque la nuit des temps, qui est un pouvoir sur la matière. Et on retrouve ça finalement dans cette mise en avant de ce travail sur les cristaux de glace, où moi je suis surpris parfois quand je t'entends, où tu aurais des gens, et je suis sûr, c'est pour ça aussi que je voulais poser cette question-là, est-ce que tu as parfois t'as eu des demandes farfelues, hein, tout simplement, des gens qui te disent, ah bah moi je voudrais la photo de mon chien, la photo de mon chien, enfin moi bon, j'invente, hein, mais est-ce que tu n'as pas un exemple de quelqu'un qui t'a demandé quelque chose de complètement farfelu, où la personne était complètement naïve, ou je ne sais quoi, un exemple qui soit drôle, hein, que ça reste anonyme bien évidemment, mais t'as pas eu une demande farfelue de cette sorte, ou Non. généralement c'est où on te demande parfois, est-ce que vous pourriez me reproduire ça? Non, par contre, je reçois depuis quelques mois des gens qui m'envoient de l'eau à photographier, ouais. Ah ouais. Et est-ce que tu as pas non plus aussi, et ça c'est assez courant, hein, parce que encore une fois, il y a aussi les fabricants, hein, qui utilisent qui nous permettent d'avoir une eau de meilleure qualité à notre robinet. Est-ce que tu n'as pas non plus des gens comme ceux-là qui t'envoient de l'eau pour montrer que finalement, bah voilà, avec leur eau modifiée, ils peuvent obtenir un smiley ou un cœur? Je l'ai fait, Ah, effectivement. tu l'as fait. Ben, par curiosité, bien sûr, j'ai pris des photos, je leur ai Alors, envoyé des photos. évidemment, sans nous citer les marques, hein, bien évidemment. Puis parce que ça reste anonyme, j'imagine que c'est un accord de confidentialité entre eux et toi. Est-ce que il s'est passé quelque chose, ou est-ce que finalement il s'est t'as pas Ben, suivant le type d'eau. J'ai de bons résultats. Ouais. Par contre, en cristallisation, suivant le type d'eau, je n'arrive pas à cristalliser. Mais la qualité d'image est très belle quand même, je reconnais. Parce qu'en plus, à la limite, il y aurait. Alors, bon, je te dis ça parce que, en fait, ce qui me vient, c'est que la particularité aussi, en plus de ton travail, c'est que toi, à l'inverse d'un Emoto, par exemple, tu travailles beaucoup avec l'impureté de l'eau. C'est-à-dire que Je travaille ton. n'importe quel type d'eau, c'est Mais non, mais pas c'est ça pur qui ou casse. impur. Je travaille en aveugle. Ce que je demande aux gens, la limite de m'enlever l'étiquette, je veux pas savoir l'origine de l'eau. Je veux pas influencer. Je travaille en aveugle, je veux pas savoir ce que c'est. Dites-moi ce qu'il y a dedans, non, je veux pas. Mais par contre, les gens m'envoient tout le temps leur étiquette, donc j'aime pas trop ça. Donc j'ai essayé, c'est vrai, beaucoup de types d'eau, soi-disant, tu vois ce que je veux dire, magnétisée, etc. Bon, il y a peut-être le transport, des fois pour la même eau, j'ai pas du tout les mêmes résultats. Je sais pas si c'est normal, peut-être le transport, la personne qui me l'a envoyé, il y a beaucoup, je sais pas. Elle a été au chaud, au froid, peut-être. Mais en général, les gens qui m'envoient de l'eau, j'ai de très très belles photos.
J'imagine la maison de Laurent Costa, est-ce qu'il y a 36 000 flacons que ta compagne et les gens qui composent cette maison ne supportent plus parce qu'il y en a partout? Là, j'ai Joker. plus de. Je te dis ça parce que un C4, c'est quelque chose que je voulais faire, c'est-à-dire une sorte de film fiction un peu drôle où comment dirais-je, où je fais jouer un personnage qui habiterait avec un personnage soit comme moi, soit comme toi, soit comme Dominique Kubler, qu'on salue au passage, Ouais. là, avec cette fascination pour l'eau et puis avec toutes les différents types d'eau, et puis la personne qui vit avec cet homme-là, où elle en peut plus, quoi. Quand j'ai imaginé cette histoire-là, j'étais à l'époque où il y avait l'eau dynamisée avec tel oligo-élément, il y avait l'eau, ce qu'on appelle l'eau diamant, il y avait de l'eau ceci, de l'eau cela. À un moment donné, il y a différents types d'eau que tu sais plus. Bon, bref, en tout cas, c'est de Pas là de que marque. vient mon. Pas de marque. Ah, parce que tu connais l'eau diamant. Oui. Ah, c'est pas une marque, l'eau diamant. Non, mais pas de pub, pas de pub, je ferai pas de pub. Ah, mais je t'ai pas demandé de faire de la publicité. L'eau Ouais, mais diamant, bon. ça fait partie des un sujet qui est incontournable. C'est un peu comme l'eau dynamisée. J'aurais dit l'eau diamant comme j'aurais pu dire l'eau dynamisée. Ça, c'est vraiment très connu dans le milieu des gens de l'eau. On est même parfois très étonné de pouvoir le rencontrer. Il y en a qui en font l'expérience. Et c'est en fait dans ces. J'étais dans ce créneau-là parce que j'avais rencontré celui qui a créé cet eau diamant. Et donc, c'est pas une marque, hein, puisqu'en plus, c'est de l'eau gratuite. Voilà, donc mais bon, voilà, je te posais cette question-là, mais monsieur Ami le Joker, il faudrait que j'invente justement ce concept de Joker, parce que je n'avais pas encore mis en place. Donc, continuons sur ton travail. D'ailleurs, une question là où ton Joker peut intervenir, hein, c'est ta compagne, t'as connue en tant qu'horloger en Suisse, ou t'as connu à partir du moment où t'as commencé à travailler sur l'eau? En France, elle m'a connu. J'avais arrêté la Suisse. Ah, t'avais arrêté la Suisse, mais tu n'étais pas du tout concerné par l'eau, on est d'accord. Non. Alors, ma question est, évidemment, tu nous réponds ce que tu veux nous répondre, mais quelle a été sa réaction quand tu lui as dit, bah, je veux faire des photos sur l'eau? Je n'ai pas demandé son avis. Je me suis acheté un Non, mais sans lui demander microscope. son avis, justement, c'est au contraire, c'est de se dire, ah bah tiens, je vais faire des photos de microscope d'eau, parce que c'est assez étonnant quand même, d'une certaine manière. Non, je faisais ça pour m'amuser, simplement le soir, comme ça, au lieu de regarder la télé, Ouais, après le donc elle a travail. pris, Ouais, comme ça. elle a pas trouvé ça étonnant. Non, du tout, non, elle m'a laissé m'amuser avec mon microscope Ok. durant tout l'hiver. Bon, d'accord. On va continuer donc avec une autre photo. Donc, maintenant que tu es calé techniquement parlant, on va pouvoir sélectionner. Ouais, parfait, parfait. Ça va, ça? Ouais, c'est parfait. Bon, ben voilà. Donc là, bah, là tu es resté dans la couleur entre guillemets Naturel. naturelle, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, superbe. Et donc là, Neutre. bah, finalement, on voit un cœur, hein, d'ailleurs, hein. Enfin, il y en a qui voient rien du tout, il y en a qui voient un cœur. Chacun interprète, hein. Je ne dis pas qu'il y a un cœur. Hein. Non, mais là, il y a la forme, hein, il y a la forme de l'enveloppe, c'est D'accord. un cœur, hein. Ok. Ouais, une autre. C'est un beau cristal à 6 branches, donc. Voilà, celui-là, il a été fait les premiers jours. J'avais le microscope, je crois, deuxième, troisième jour. Ça, pour moi, même s'il n'est pas super définition, il est un peu pixelisé. Tu vois, on voit bien les racines à l'intérieur. Ah, ouais. Ça, c'est intéressant. Il y a la symétrique. Et puis, pour moi, c'est ce qui m'a un peu motivé. Au bout de 2, 3 jours, je suis arrivé à faire une photo comme ça. Bon, par contre, j'ai changé la couleur, comme d'hab. Du vert, je suis passé au bleu. Donc, celle-ci, pour moi, est symbolique. Puis, elle est bien partie aux enchères pour des enfants handicapés. Je suis très content. Super. Si tu le permets. Au cœur de la ville de Laurent Costa.
Ouais, bah attends, je vais prendre un autre dossier. Celui-là, c'est bon, on a fait le tour, je crois. Ouais. On peut tout simplement, on peut tout simplement discuter maintenant. Encore une fois, les gens auront tout le loisir de pouvoir aller sur, sur ton site internet pour découvrir bah, ton travail et de se faire un avis, etc. Là, on va continuer à. Comment tu maintenant, quel regard tu as, quel regard tu as par rapport à tout ce qui s'est passé? Donc tu as pu nous dire là tout à l'heure que bon, ça allait vachement vite, etc. Donc c'est un mélange visiblement d'excitation, à la fois de parfois il y a pas des moments aussi où où tu voudrais que ça aille un peu plus vite, ou pour le moment c'est bien comme ça et que ou tu serais encore plus content de, si tu pouvais générer ou connaître d'autres artistes photographes avec qui tu pourrais tout simplement exposer. Hein. Monsieur Dominique Kubler, j'aimerais bien exposer avec Dominique. Il Donc, fait je rappelle que Dominique Kubler est un photographe d'Ondine. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais lui en fait partie et est très, 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 très efficace. Et d'ailleurs, on peut le retrouver dans la série que nous allons bientôt tourner, qui s'appelle Le Photomaton, où les photographes sont à l'honneur, puisqu'on prend tous les photos qui ont été sélectionnées bah, par mes soins pour la page Facebook. Vous pouvez devenir fan d'ailleurs de la page Facebook Océan Sea Live. Et là, vous allez voir un nombre incalculable bah, de photos. Des photos comme celle de Laurent ou celle de Dominique, mais aussi celle bah, de tas d'autres photographes qui mettent l'eau soit en premier plan, soit dans une importance prépondérante sur la photo. Donc oui, alors c'est des projets que ça, ce qui te plairait, c'est une Ben, évolution naturelle. je lance un appel à Dominique. S'il veut m'inviter à exposer chez lui à Strasbourg, quand il veut, je suis là. Oui, c'est un truc qui pourrait être fait d'ailleurs, oui. Je pense, ouais. Lui à photo, mon microscope. Il y a quelque chose en tout cas dans ses photos qui m'interpelle. Sa façon de travailler, un peu comme moi, complètement relâché. Chacun, enfin, dans notre propre univers. Donc j'aime bien sa façon de faire. J'aime bien ses photos, son aspect, comment il voit l'eau, comment il en parle surtout, l'être humain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres photographes que tu connais qui en D'eau? France? Ouais. Non. Non, tu connais pas. Non. En plus, je suis en train de te parler, mais je suis en train de voir au-dessus de toi, tu as une étoile. C'est amusant, ça. Ouais, c'est Noël il n'y a pas longtemps, oui, Toi quand même. qui nous parles d'étoiles depuis tout à l'heure. Oui, donc tu me demandais pour exposer ce que je comptais faire. Ouais. Ben, Oui, pour parce que le. là les grandes dates, là on est le 21 janvier au moment où on enregistre ce podcast, le 21 janvier 2013. Donc c'est quoi là les prochaines dates, les prochaines échéances Le 7 février, Conseil général à Carcassonne, une expo du 7 février au 22 février. Ok. Pour le moment, sur le pavillon de l'eau à Paris, de février à juin 2014. Donc l'année prochaine. Oui, au pavillon de l'eau. Puis sinon, deux expos. Ouf, bon, les dates à définir, 2013, dans deux grandes villes en France. Et peut-être aussi deux, trois expos à l'étranger pour 2013. Hein. Mais c'est pas encore fait. Il faut trouver les dates, des arrangements. Voilà. Ensuite, tu as donc là, tu es en pleine moisson, hein, c'est ça, jusqu'à février, jusqu'à ce qu'il fasse froid, pour Pleine obtenir encore. moisson, oui et non, c'est pas. Je prends des photos si ça m'intéresse. Si j'ai la chance d'avoir du froid, il faut qu'il fasse un peu plus froid encore. Enfin. Je dis ça pour moi, pour les photos. Donc, je verrai bien si on va avoir du froid au mois de février. Pour le moment, c'est moyen.
Ben, je ne le souhaite pas à tout le monde, mais Parce que là, ce qui m'interloque, c'est que d'une certaine manière, finalement, c'est juste que matériellement, tu te limites. C'est-à-dire qu'il suffirait que, donc, un peu comme les nomades, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que autant le nomade va aller vers les endroits les plus chauds et les moins froids, selon la saison, toi, ça va être plutôt l'inverse. Ça veut dire que tu pourrais continuer ton travail en montant un peu plus haut ou en allant dans des régions beaucoup plus froides pour te permettre de travailler. Ça veut dire que là, en fait, ton travail, tu pourrais le faire tout le long de l'année, hein. Oui, ou je peux travailler dans mon garage de la nuit, il fait un peu plus froid la nuit. Oui, mais enfin, je veux dire par là que l'été, même la nuit à Narbonne, c'est pas non plus là, super chaud, hein. Ah ouais, bien Super froid, je sûr. veux dire. Je peux travailler que 2 mois par an, oui. Voilà, mais c'est juste que tu te. Voilà, parce que logistiquement, c'est pas possible de faire autrement, mais finalement. Parce qu'il y a une originalité quand même de travailler avec des conditions naturelles, hein. On l'a encore vu grâce à Marc-Henri, donc comme je l'ai précisé précédemment, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on obtient. Des courbes hein, sur tes cristaux hein, qui vont donner toute leur originalité alors à ton travail par rapport à celui de Masaru Emoto puisque c'est l'avantage et l'inconvénient quand on passe à côté de quelqu'un de très connu c'est que bah, on profite de son sillon mais à un moment donné pour exister c'est un peu difficile parce que on nous compare toujours bah, à la référence du secteur et pour se démarquer c'est un peu difficile et ton talent finalement même si c'est comme tu vas le dire, c'est peut-être dû à la chance, mais ton talent fait que ta chance, ça a été justement de pouvoir inclure des courbes et des cristaux que la référence qui est Masaru Emoto pour le grand public, ben, il n'y a pas de courbe dans le travail des motos. Bon, il est Donc, peut-être un peu complémentaire. Hein. j'ai pas dit qu'il n'était pas complémentaire, mais c'est pour moi. Moi, par exemple, qui fais des films sur l'eau, j'ai de la chance, j'ai pas de gens, j'ai pas de référence. Il n'existe pas de gens avant moi qui ont fait des films sur l'eau. Voilà. Pas des gens aussi connus qu'Emoto, par exemple. Donc, je trace mon sillon tout seul dans mon coin. Pareil pour Dominique Kubler dans la photographie d'Ondine. C'est un peu quand, c'est un peu la, je dirais, la constatation qu'on peut faire quand on évolue comme ça dans un secteur ou dans une catégorie. Très peu prisé, avec un public limité, hein, puisque l'intérêt du public vers l'eau n'est pas énorme, mais ça fait de nous des gens incontournables puisqu'on est très peu. Le problème, c'est quand on est on touche à un public un peu plus large et un secteur un beaucoup plus large, là, tout d'un coup, ça devient un peu plus difficile de faire sa place parce que d'autres sont présents. En tout cas, nous, on n'en est pas là, même toi, hein, t'en es pas là, mais c'est juste que la référence peut devenir à un moment donné lourde. Et qu'à un moment donné, faut surtout pas que tu fasses les mêmes cristaux que Masaru Emoto, tu Ben, vois. Et ça, c'est j'ai pas le matériel pour. Imoto parle très bien de l'eau, il a ouvert une voie, malgré tout ce qu'on peut dire. On peut dire merci à Imoto, il parle de l'eau à sa façon. Et il y a très peu de gens au monde qui ont, je dirais, cette aura, qui arrivent à en imposer comme lui. C'est pas moi avec mon microscope, je suis rien du tout à côté d'Imoto. On peut dire merci à des gens comme ça qui valorisent l'eau. Oui, mais je ne suis pas là, moi, à parler sur polémiquer ou pas sur Emoto. Mon avis est connu, je l'ai mis sous forme vidéo, c'est-à-dire que le seul tort que je donne au travail des motos, c'est l'infantilisation qu'il porte sur l'eau. Hein. L'eau ne juge pas, il faut qu'on en soit. Faut qu'on en soit. Ça, je me battrais pour ça, mais sur le côté que Emoto, que ça soit que ça soit pour les gens comme toi et moi qui travaillons sur l'eau, oui, génial, hein, il permet au grand public. Moi, je suis dans la finalité, je suis à fond avec lui. C'est juste que l'eau ne juge pas, voilà. Donc après, ça, c'est encore une autre chose. C'est pas là où je voulais en venir. C'est que ton travail peut être dilué dans le travail des motos, c'est-à-dire de souffrir de la comparaison. Mais ce qu'il y a de super dans ton travail, c'est que comme c'est des cristaux qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les motos, donc on peut reconnaître pour quelqu'un qui va, par exemple, si on propose plusieurs photos, il va pouvoir reconnaître le travail de Laurent Costa, d'accord? Non, mais c'est vrai, le smiley, jamais tu vas pouvoir le trouver avec les motos, d'accord? Et moto, effectivement, la différence entre toi et lui, c'est que lui, ça fait des années qu'il travaille sur le sujet et qu'il a déjà un public installé que toi, tu n'as pas encore. Voilà.
Mais son public installé, c'est tout bénef pour toi, hein, parce que comme ça, les gens vont aller beaucoup plus naturellement d'ailleurs vers ton travail à toi que d'aller vers le travail de Dominique Kubler, par exemple, qui lui a un travail où on a un peu plus d'appréhension sur ce travail-là, parce que tout d'un coup, toi, tu travailles avec un microscope, donc on n'a pas tous un microscope, et puis c'est rassurant, ça fait dans l'imagerie collective, ça fait scientifique. Alors que Dominique, lui, travaille avec un petit appareil anodin qu'on peut acheter dans le grand public, enfin dans un grand magasin, et de là, d'ailleurs, toute la pertinence du travail de Dominique, c'est pas de faire des photos de l'eau, finalement, c'est toute la description qu'il en fait après. Voilà. Et ça, C'est vrai. c'est là qui fait que ça, son travail devient tout d'un coup de qualité et qui fait qu'on, bah, on en, puis quand on connaît le personnage en plus, il est vraiment animé, habité par cette passion, et c'est aussi ça qu'on aime découvrir chez les artistes, hein, c'est cette flamme, hein, qui se dégage d'eux, qu'on peut trouver chez certains scientifiques d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas seulement chez les artistes. Mais généralement, c'est un peu plus difficile de trouver ça chez les scientifiques que chez les artistes. Les artistes c'est pour ça que d'ailleurs, souvent, les artistes ont pas beaucoup de sous, mais malgré, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, ils continuent quand même à travailler. Parce qu'ils sont animés par la flamme. Voilà. Alors, c'est peut-être le karma, si on peut appeler si on peut parler en termes de karma, même si bon, c'est une manière de parler, hein, ou le destin, ou peu importe le mot, de l'artiste. Et est-ce que quelque part, justement, cette comparaison, parfois, t'en as pas un peu assez, ou te dire, oh, c'est bon, et moto, ça suffit, quoi. Ou est-ce que tu as déjà des gens qui ont dit c'est le travail des motos ou non, c'est pas. Ben, ça m'a fait bizarre la première exposition au jour du vernissage. Tout le monde me parlait d'e-moto. Donc tout le monde le connaissait sauf moi. Donc ça m'a. C'était vraiment. C'est quoi ce gars? C'est extraordinaire. Donc non, aujourd'hui je le perçois différemment. Bon, c'est peut-être croisé quelque part aussi. J'ai appris à le connaître différemment. Je le reconnais, c'est un plus. Non, moi, Imoto, je respecte énormément son travail. Il fait de très très belles photos. Sa philosophie de l'eau, je ne juge pas. Elle est très sympathique, en tout cas, sur le côté écolo, de respect de l'eau, de l'environnement. Moi, ça me convient totalement. Sa qualité d'image, totalement, tu le dis très bien, tu le décris, je vais pas en rajouter. Et Imoto, ses photos exceptionnelles. Moi, à mon niveau, avec mon matériel, on est. Ouais, non, moi, ça. Avec le peu d'expérience que j'ai, faut pas oublier, je suis sur le circuit, je dirais, artiste, depuis le mois de juillet. Donc. Oui, donc ça fait moins d'un an en plus, hein. Ouais, ça fait de 6 mois. Voilà, je m'aperçois qu'il y a énormément d'artistes dans ma région, ils ont énormément de difficultés, ils ne sont pas médiatisés du tout. Donc c'est un métier pour en vivre, il faut vendre des photos. Enfin, pour moi, c'est vendre des photos. J'ai eu la chance, bon, pas partout, là, en médiathèque, on n'a pas le droit de vendre, conseil général pareil, mais le but du jeu, c'est de se faire reconnaître. Donc grâce à toi, grâce à ces expositions, c'est très intéressant pour nous de faire reconnaître notre travail. Et donc c'est pour ça que je remercie à la fois Rodolphe Forger et d'une autre façon indirecte, je dirais Imoto, qui fait connaître l'eau. Il n'y aurait pas Imoto, moi mes photos d'eau, elles passeraient inaperçues. Tout le monde. Moi je dis merci aux gens en fait qui me disaient Imoto, vous ne connaissez pas Imoto, mais aujourd'hui ils me rendent service. Hein. Ces gens-là comme toi, tu me rends service en parlant de mes photos. Imoto, il a ouvert une voie pour beaucoup, beaucoup de personnes. Bon, une exposition au Japon, ça, un de ces quatre, ça sera possible. On peut imaginer ça. On peut imaginer on peut tout imaginer d'ailleurs avec les photos, hein. C'est ça aussi le côté pratique d'une photo. Joker. Ça en fait des jokers. Tu vas bientôt nous faire tu vas bientôt nous faire une photo avec un joker, tu vas voir, ça va être drôle. Bon, alors, eh ben, écoute, on va bientôt conclure par rapport à l'émission. Il est déjà 15h40.
Ben écoute, qu'est-ce que donc on a fait un peu le tour de ton actualité. Qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement une continuité dans ce que tu fais, je sais pas, des expositions, des sollicitations, des Aujourd'hui, j'aimerais essayer au moins une journée de travailler sur un microscope à balayage. Si un laboratoire m'entend, des scientifiques me laissent m'amuser au moins une journée, essayer une fois dans ma vie un microscope à balayage. Voilà mon Donc, souhait, mais c'est sans plus, c'est juste pour tester ce que ça donnerait ma technique avec un microscope à balayage. Voilà ce que j'aimerais. Et ben voilà, l'annonce a été faite. Donc, comme c'est un podcast qui a une portée aussi sur le monde scientifique, donc on peut peut-être espérer qu'un de ces quatre, il y a. Un de ces quatre, faut le souhaiter rapidement parce qu'à partir de mars, c'est plus la peine. Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de louer un microscope? Je sais pas, je me suis renseigné à droite, à gauche. Pour le moment, les peu de gens que je connaisse d'un niveau scientifique, médical, je fais appel à toutes mes connaissances. Je suis pas arrivé, mais en juillet, c'est trop tard. En août, c'est trop tard. Il me le faudrait d'ici fin février. Ok. Une journée. Je suis prêt à me déplacer. Bon, bah, l'appel est lancé. Merci beaucoup à Laurent Costa ben d'avoir accepté de refaire ce podcast que nous avions fait il y a de cela 3-4 mois maintenant. Il s'en est passé des choses hein, il y a 3-4, depuis 3-4 mois. Donc merci beaucoup Laurent. Merci Rodolphe. Et là, le son est parfait, l'image est parfaite. Voilà, c'est un plaisir. Ça va être un plaisir à faire le montage de tout ça. Moi, je vous remercie. En tout cas, je remercie la personne qui a assisté à l'enregistrement depuis le début. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, mais eh bien, merci à vous ou à toi si je la connais. Et je vous rappelle que. Vous pouvez toujours aider à la pérennisation de ce podcast. Comme ça, vous voyez, vous pouvez donner la parole à des artistes comme Laurent ou à d'autres artistes qui sont pas peu connus des médias. Donc, généralement, parfois, c'est parce qu'ils sont pas connus des médias, c'est pour cela qu'ils ne sont pas sollicités non plus. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur ulule.fr et pendant jusqu'au 14 février. Donc, ça en fait des messages, c'est-à-dire un microscope pour Laurent avant fin février et un don pour le podcast Océan Live avant le 14 février 2013. Voilà. Sinon, eh ben, je vous remercie de nous suivre, de nous soutenir et je vous dis à la prochaine fois. Voilà. N'hésitez pas à devenir fan de la page Facebook Océan Sea Live. Bye, merci encore à tous Bye. de nous avoir suivis. Bye, au revoir.